Bonjour, mes chers élèves. Bienvenue sur votre chaîne du Comic Civil. Alors, s'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 5, évaluation diagnostic, c'est pour aujourd'hui. Lecture et compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyou salamid mustawa 6 ibtidaï. Raja'an, ftahou le kitab al-madrasi, mes apprentissages en français, les scènes 6 ibtidaï, à la safha al-khamisa. سوف نقدم لكم التقويم التشخيصي 2 lecture et compréhension. Alors le plus important ici, c'est savoir répondre à ces questions. À ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler? Quel est le genre de ce texte? Que prolongent les Jeux olympiques modernes? Où se déroulent les premiers Jeux olympiques modernes et quand? Quel est le sportif le plus médaillé des Jeux olympiques? Quels sont les athlètes marocains cités dans le texte? Pourquoi les Jeux olympiques ont été annulés à 3 reprises? Une édition des Jeux olympiques a été reportée. Celle de quelle année et pourquoi? Qui a rénové les Jeux olympiques et en quelle année? Voilà, ce sont des questions de compréhension de ce texte, les Jeux olympiques, d'après le site internet Wikipédia. Je vous donne maintenant la réponse juste. Suivez avec moi jusqu'à la fin. Alors, tout d'abord, mes chers élèves, il faut lire plusieurs fois ce texte adapté du site internet wikipedia.org Jeux olympiques. Les Jeux olympiques. Alors, c'est quoi antique? Antique veut dire tout simplement ancien, comme l'exemple de la Grèce antique, c'est-à-dire la Grèce ancienne, rénovée, vous dire, modernisée ou renouvelée. L'instauration, c'est-à-dire la mise en place. Le plus médaillé, qui a reçu le plus de médailles. Le plus de médailles. Je vous donne des exemples. La Grèce antique veut dire la Grèce ancienne rénovée, veut dire tout simplement modernisée. Comme l'exemple de jeu, les Jeux olympiques sont rénovés, sont modernisés, sont renouvelés. L'instauration, c'est-à-dire la mise en place. Lorsqu'on parle de Jeux olympiques, les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent en 1896 à Athènes et l'instauration des Jeux olympiques d'hiver date de 1924. L'instauration, c'est-à-dire la mise en place. Le plus médaillé, par exemple, le sportif le plus médaillé des Jeux olympiques était comme hiver et le nageur américain Michael Phelps, qui gagne entre 2004 et 2006 28 médailles, dont 23 en or. Antique, ancienne, rénovée, modernisée et renouvelée, l'instauration, la mise en place, et le plus médaillé, ça veut dire qu'il a reçu le plus de